Et salut tout le monde, c'est MacLeon85 aujourd'hui, donc de retour sur Pokémon Platine. On se retrouve donc sur la route... Je vais vous dire ça, je crois que c'est 203 si j'ai mon souvenir, 204. Je dirais 203. 204, et mince, perdu. Donc voilà, on se retrouve sur cette route là, donc après avoir récupéré notre premier badge que je ne vous ai pas montré et que je vais vous montrer ben maintenant. Donc on va se retrouver sur l'écran tactile. Voilà, ça marche à peu près, c'est bon. Donc voilà mon petit badge. D'ailleurs je vais l'essuyer un peu. Alors par contre c'est super chaud avec une souris, je tiens à vous le dire. Ah mince, je veux trois trucs. Je m'en fous, je le fais devant vous. Allez, allez. Au moment où je vous parle, là, il y a l'épisode numéro 6 qui est en train de se poster. Parfait. Voilà, on se retrouve sur l'écran du haut. Et re tout le monde, voilà. Nous sommes sur l'écran du haut. Alors. Donc, petite récapitulation. Attendez, je sors la souris, voilà. On va récapituler un peu ce que j'ai. Oula, attention, pas de bug, c'est bon. Voilà, donc on va récapituler. Donc, nous avons récupéré un match-up pour lui mettre Éclat Rock dessus. Lixie qui n'a pas monté niveau depuis le début de l'épisode 6. Il faudra qu'on l'explique un peu. Rose Bouton, voilà, qui a évolué et qui a pris Méga Sensu. Qui a oublié Volvic, justement, de quel j'étais vraiment dégoûté. Et Tourmi qui, voilà, qui aime tout doucement. Et Tortipousse qui ne veut pas évoluer. Et ben, j'espère bien que ça sera aujourd'hui qu'il évoluera. On va mettre Tourmi. Si je m'en souviens, voilà. Donc ici, il fait nuit aujourd'hui. Normalement, vous verrez bien. C'est pas comme dans Minecraft. Aussi, ça que j'ai baissé la luminosité. Voilà, ouais, là, je vois mieux. C'est moi qui verrai mal. Alors, on est parti. Premier combat de l'épisode. Voilà, comme prévu. Nous sommes en route pour Floraville. Floraville étant la ville fleur, et ben. Je pense que c'est logique qu'il y ait des Pokémon de type plante. Donc très efficace pour mon petit étourmi là. Voilà, Cerebou, c'est parfait. La perfection. Non, j'ai pas regardé. Ouais, je vois à peu près. Je pense que je vais rallonger les épisodes. Ce sera peut-être 30 minutes maintenant. Hop là, et un petit hop. 1, niveau 14. Je vous le dis tout de suite, c'est pas maintenant qu'il va évoluer. Hein. Je me souviens. Ah non, je confonds avec Pokémon blanc. Ou le Pokémon de type. C'est une blague, j'espère. Ah, c'est pas vrai. Oh, bah, je me plains pas. Hein. Parfait, bon ben voilà, première évolution, l'évolution inattendue de Étourmi. Mais que dire de plus? Ah, je suis dég. J'étais sûr que c'était pas maintenant, il évolue maintenant, et pourtant Tortipousse, j'étais sûr que c'était au niveau 14-15, vous voyez. Le niveau 17, il a toujours pas évolué. Poupée, voilà. Voilà, toi Macho, tu vas rester en bas mon petit gars. En plus, oh j'ai pris une femelle. C'est bizarre de ma part. Bon ben voilà, je suis un petit peu dégoûté, voilà, parce que j'étais sûr qu'il allait pas évoluer maintenant. Voilà, et l'objet que j'ai récupéré. En même temps, j'ai juste remarqué le réveil. Un objet qui va m'être très important, je pense. Oh. Ah mais je suis dégoûté avec ce qui m'arrive là. Donc là, comme vous pouvez voir la couleur du fond, nous sommes au crépuscule. Le crépuscule, c'est bien entre le jour et la nuit. Juste avant qu'il fasse nuit, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh, tourniquet, tourniquet. L'attaque la plus puissante au monde. Oh, vas-y, pourquoi tu... Oh, mais c'est un Pokémon sauvage, hein, je rappelle, c'est un Pokémon sauvage. À croire qu'il a que cette attaque.
8 en plus, je crois qu'il l'apprend juste, c'est peut-être pour ça qu'il fait que le lancer, je pense. Aussi dans sa tête, voilà, j'ai juste de l'apprendre, faut que je fasse que la lancer. Enfin bon, je sais pas comment fonctionne l'ordinateur. Enfin, l'ordinateur dans Pokémon. Combat type insecte, allez, c'est parti, combat moi. Attends. J'en ai pas de... Ah, t'es mon pote, toi. Dis, wesh. Attaque charge. Ce combat risque d'être long. J'étais un petit peu dans mes pensées là. Je m'excuse. Je vais prendre cher. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand je vous dis que cette attaque est cheatée. Bon, c'est vrai qu'il faut attendre 3 tours pour pouvoir la lancer. Mais bon, faut pas exagérer quand même. Hein. Là, c'est qu'il y a. Il faut. Il y a un minimum quand même, hein. Voilà. Taper autant avec une attaque. Pas normal. Comme contre le champion de l'arène, numéro 1. C'est une blague. Oh, la baisse d'FPS. Oh là là. Désolé, ça a bien baissé là. On est passé à 0 FPS d'un seul coup. Oh, elle est nulle. Pouh, les noobies. Bon, bah, puisque ici est hors jeu, ça sera étour vol, même si c'est dangereux ce que je fais, parce que elles sont toutes des types. Toutes les deux des types éclair. Ça va faire mal. Pardon pour le bruit. Toi, les mignons en haut là, tu vas voir. Lequel choisir? Oh merde, je vais méga sensu sur le deuxième pas chérie. Qu'ils ont contre moi. Pouah, la noob. Ah d'accord, mince. Je crois que c'était pas un coup critique. Hop là, vive attaque. On va centrer notre attaque sur le même pour le au cas où. Le au cas où a bien fait. Une OP. Tellement lent. Mais tiens, j'en ai rien du tout avec méga sensu. Hein. Impressionnant. Bon, assez pété. Hop, ah, putain, pas de... Ouh, ça donne beaucoup ça si j'aurais fait tout seul. Concentration s'il vous plaît. Hop. Concentration de l'attaque sur le même cette fois-ci encore. Doucement avec moins de tourvel. Ouh, il fait mal lui. Il a décidé de me critiquer celui-là.
ça donne rien, punaise. Vive attaque suffira. Je vais me faire un pied d'attaque croissance, même si ça servira strictement à rien. J'espère, mais c'est bon. Hop, hop, s'il vous plaît. Level 15. Allez hop là, un petit peu de paquet de dollars, ça fait toujours plaisir. Et pas d'évolution cette fois-ci. Mais j'ai pas regardé le temps. Punaise. Alors hop là, une petite pokéball. Pas de graines. Ça c'est une attaque de type plante. Oh, la bug de la télécommande. Et voilà, bienvenue à Floraville avec le bug en plus. Hop là, avant de découvrir ce qu'il y a. Allons guérir nos petits Pokémon. J'ai encore Machoc dans mon équipe parce que je sais qu'au départ on est souvent sollicité par le Éclatroc. Je crois. Alors je vais aller récupérer l'arrosoir, mais c'est un psychoquack. Oui, si, c'est un psychoquack. Alors celle qui le donne, c'est El Labo. Arrose avec le quack arrosoir. Ah non, c'est un quoi coco. Oh, j'ai oublié son nom. Un aquaquack. Voilà, aquaquack. Elle en haut, elle vend des baies. Donc normalement maintenant je peux récupérer mes baies. Hop là. Mes premières baies. Baies cerises qui permet. Hop. Qu'une seule, c'est dégueulasse. Alors attends, je sais pas la fiche, je crois qu'elle est pas contente quand je le prends. Les baies que tu ramasses peuvent servir de nourriture, mais tu peux aussi les changer si elles fleurissent quand elles... Ah voilà, c'est les accessoires en fait. Je me suis complètement gouré. Cerise, baie orange. Je vais mettre une baie orange. J'arrose. Avec le coq, le quoi quoi, le quoi quoi, le quoi carrosoir. J'arrive pas à le dire. Bon, on va partir. Alors je marche dans les fleurs, moi je suis un fifou. Je sais qu'ici. Celle qui m'intéresse, c'est les baies. Alors l'autre tout à l'heure j'avais le nom, mais là je l'ai plus. C'est les baies qui permettent d'enlever la confusion en tous les cas. Celles-là elles sont super rares, mais tellement. Il me les faut à chaque fois. Aidez mon papa, on m'a pris mon papa. Mon papa et moi, on vivait aux aliens. Mais des gens déguisés aux cosmonautes sont venus et m'ont mis dehors. Mais qui sont ces gens en cosmonautes? Et maintenant, ils obligent mon papa à travailler pour eux. S'il vous plaît, dresseur, rendez-moi mon papa. Très bien, petite, je vais t'aider. Voilà, donc il y a celui-là avec la clé. Il va dire, je ne te laisserai pas rentrer. Et cet arbre jaune, c'est l'arbre à miel. Auquel je vais très souvent venir parce que je veux un cap humain pour un capidextre. Mais c'est pas celui-là. Celui-là il donne un truc spécial, je sais plus ce que c'est. Je n'ai pas intérêt à aller aux éoliennes, j'ai reçu de ne pas y aller sur cette façon. Ta façon de me regarder me fait croire que tu vas essayer quand même. Bon ok, tu vas devoir me combattre d'abord. La puissance de ma cliente te vaincra. Pardon. Non mince. Je voulais pas toi. Je t'aime bien Tourvel, mais bon, c'est pas toi que je voulais au départ. Oh, c'est une blague, j'espère. Bon, ben, je vais devoir faire un petit change de Pokémon. J'ai pas envie de garder ce Pokémon. Lixi, ça a tout joué. Alors, en pensant dans la ville, j'ai pas besoin de Pokéball. Les potions, ça me fait pas peur vu le nombre de Pokémon que j'ai. Aïe, ça fait mal. Oh mon dieu. C'est moi qui vais dormir, ça continue. Punaise, mais le combat va durer super longtemps.
Oh non, 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 non. Voilà. J'ai une technique spéciale. J'ai bien fait l'utiliser. Sauf si je m'en réveille pas. Ça servira complètement à rien. Bon ben je vais repasser avec les tourvelles parce que là c'est pas possible. Petit temps encore, un petit temps. C'est bien intimide. Ah oui, maintenant il a gagné intimidation. Heureusement que j'ai changé plus parce que là j'aurais pris cher là en attaque. Allez. Non, réveille-toi. J'ai une baie marron avec moi, je sais, je pourrais l'utiliser. Et ça me fait baiser un tour. Je compte sur toi. Oh non, mais c'est pas vrai, il va encore. Oh, je préfère ça, ouais. T'as intérêt à utiliser griffes. Bien. C'est bien, ça. C'est bien, mon petit. Voilà. Ouais, ça servira à rien, t'en tirer justement. Pardon. Oula, j'ai fait une... J'ai fait une petite voix. Hop là, ça servait à rien, toi, justement. Merde. J'ai gagné beaucoup quand même avec 92. Zone fleurie. C'est des gogoles. C'était gogoles. Alors ici on peut récupérer un beau wave aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le vendredi soir qu'il faut y aller. Bon, ça, il suffit juste de configurer sa DS et la mettre le vendredi, puis à chaque fois de sauvegarder devant et vous recommencer après. Ça, c'est très simple. Alors, vraiment, vous attendez le vendredi, et bon, vous allez vous faire chier pendant un moment. Voilà, c'était le petit conseil du jour de MacLeon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ben, allons à la zone fleurie de Floraville. Cette ville-là... Y a rien à faire. Il y a juste le l'arbre à miel qui est en haut, qui peut nous permettre d'avoir un cap humain. Il y en a d'autres hein, qui permettent, mais bon voilà, celui-là il est bien chaud. Suivons le chemin de fleurs. Attention. Non ! Je suis merci sur une fleur, j'ai perdu. Bon. C'est un combat double, il y a intérêt. Oh non! Je crois que j'ai oublié de changer Pokémon. Malheureusement, voilà. Va vite me falloir un multi-expérience là, sinon j'y suis pas rendu. Oh bah il va up. Profitons-en. A-t-il évolué en Aeroptoraptor? Oh, je suis trop drôle. N'assurons pas, il va pas évoluer aussi vite que. Hop 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 hop. Excusez-moi, excusez-moi, il y a eu un changement d'écran, ce que je trouve ça bizarre. Re... Ah, Fraps, je suis encore du tour. Je vais pas être content, moi. Ça donne tellement... tellement parfait pour mon petit Lixi. Quelle honte, ils vont me retenir sur la plaie. C'est mon tour maintenant. J'ai l'avantage, tu es à bout de phase après ce combat contre mon collègue. C'est ça que tu crois. Que tu crois, mon cher. Et t'en vas. Je balance une attaque pour bien l'affaiblir. Et ensuite je sors l'Ixi comme ça, ça suffit. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Oui. Je t'aime, je t'aime. Ouais, mais pas tu dis que j'avais des Pokémon. Prochaine fois, dis-le clairement, sérieux. Oh oui, mon dieu.
j'ai eu les boules sur le coup. Quand j'ai vu que je les hausse, mais j'ai cru que j'allais me tuer. Je vais rien lui enlever. Oh la puissance! Aïe. J'ai jamais été un Pokémon normal, ça m'aurait rien fait. La puissance. Aïe. Vous allez où avec ton attaque? Yes! C'est bien, Tiki. Il a vu. Non, je déconne. Je suis pas Pokémologie. Hein. Attendez. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit. C'était de la merde. Il est impossible de le décrire. Des mots. Pourtant, j'en connais plein. Merci, monsieur. C'est ce que j'avais. C'est dans ce besoin. Merci, tu m'as sauvé. Ces voyous voulaient pour un miel. Ils étaient bizarres. Tu as vu comment ils s'étaient habillés. Ce qu'ils disaient n'avait pas non plus beaucoup de sens. Oh, je dois te remercier. Tiens, prends donc un lot de mon délicieux miel. Merci. Je vais en prendre 10 en plus. Parce que je vais foncer en mettre. Alors, hop, 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 hop. Je prendrai un Scarino aussi, pour le plaisir. Voilà, notre team a été étalé. Alors, normalement, c'est 3 heures. Je ferai ça en off, je le prendrai peut-être, et je mettrai ça dans la prochaine vidéo. Au début de la prochaine vidéo, avant de mettre... ouais, avant de mettre le... Ouh, la perte d'FPS une fois de plus, ça fait peur. Hop là, on va ouvrir la pop-porte. On va ouvrir la pop-porte. Bah oui, on va ouvrir la pop-porte. On va rentrer dedans. Et je vais vous laisser ici. Je ne sais pas combien de temps de vidéo j'ai fait. J'ai pas regardé au début. 19h47, il est... je sais pas. Ça, pardon pour la souris. La souris, j'ai dit. Merci. Voilà, oui. Voilà. Hop, 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 hop. N'allons pas trop loin. On va rester ici. Je sauvegarde devant vous. Ouais, ça doit faire 30 minutes, à peu près 25 minutes. En parlant de temps, je suis en train de repenser que j'ai oublié d'aller à féliciter. Ben, je ferai ça. Ouais, j'irai récupérer ça en off. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà. Donc, si vous voulez continuer de voir les aventures de notre cher dresseur, et ben, mettez un petit pouce à cette vidéo. Et si ça vous tente, abonnez-vous à sa chaîne. Allez, salut tout le monde!